Salut, on se retrouve pour une vidéo sur e-racing et la première vidéo donc de la saison 1 2019. Donc là, on est sur la catégorie roof sur Summing Point pendant 30 minutes. Donc je crois que je vais vous faire une vidéo e-racing peut-être toutes les semaines. En fait, je suis sur trois catégories, la Roof GT3, l'IMSA avec la Porsche et l'Advanced Global Mazda. Donc en fonction de plus ou moins des résultats et de la possibilité que j'aurai, je vous ferai une vidéo. Là, celle-ci, j'ai déjà fait une course qui s'est très mal passée. Bref, il y a un peu de crash, un peu de carton. Donc, on va essayer celle-ci, hein, deuxième tentative. Le but, c'est au moins de faire une course et de faire le maximum de courses dans le championnat. Donc, on va essayer de faire ça pour essayer de se classer pas trop mal au championnat. On va bien voir ça. Là, je suis 11e. Ça se passe un peu mieux. Allez, on va prendre l'extérieur. Allez, messieurs, on est grand. On fait attention. Une demi-heure, il y a de quoi rattraper s'il y a un souci. Ça va, j'ai réussi à éviter. Vraiment pas évidente hein, la roue, mieux qu'elle soit en setup fixe. Elle est très très rigide. Pas évident ce virage-là. Allez, on va essayer de pas trop se faire distancer. Ça devrait le faire normalement. Ici, on va rattraper. Juste se méfier au freinage.
Alors je passe vite vitesse pour lui reprendre un peu de grippe et éviter de que ça parte en cacahuète. Allez, je reste à distance de celui devant. Chris. Je passe pas très bien le petit enchaînement. Si tu sors trop, c'est la sanction. Allez, devant, il a 2 secondes. Ouais, j'ai rien gagné.
Allez, je grappille un petit peu. C'est pas énorme. Oui, c'est loupé là. Pas évident parce que faut choper le point de freinage. Faudrait pas que je lâche pour dire dû mettre la pression. Déjà les pneus commencent à me lâcher. Alors j'essaye de choper lui devant et il y a lui derrière qui me rattrape. Perdu très légèrement, ça faillit être la catastrophe. Derrière, il va me faire le freinage, c'est obligé. Du moment qu'il fait pas le con. Ça va, il est resté gentil. Allez, il y a un retardataire devant, il faudrait que j'en profite. On va rester là. Wow, lui là, qu'est-ce qu'il fait?
Allez, faut que je me colle devant. Doucement, petite. Et toujours à 3 dixièmes derrière, ça me laisse le temps de. Alors moi qui retarde vraiment son freinage. Je pense qu'il le sait de toute façon. C'était chaud là. Ouf, derrière. N'importe quoi. Allez, on va se montrer. C'est chaud. Pris un sandwich, je regarde devant, je regarde derrière. Combien de temps il reste? Putain, il reste encore 10 minutes comme ça. Je vais pas tenir moi. Voilà, derrière il va me laisser un petit peu tranquille. Putain, il revient vite, hein. Ouais, les pneus.
Ah, il le prend bien mieux que moi. Il a dû rester 10 minutes pour m'avoir. Je vais pas le bloquer non plus, hein. C'est chaud de venir à la grande. T'es plus rapide, mais bon, ne doute pas n'importe où non plus, hein. Allez, je fais là. Non. Allez, vas-y, passe. Ouais, mais c'est pas grave, on va se montrer quand même. À lui de regarder dans son rétro maintenant. Ah, mais j'ai l'impression qu'il a un choc à son aile droite. Je sais pas si c'est contre moi, enfin avec moi. C'est probable là. Parce que j'ai eu un foin. Ah, il est large là. Allez. Minutes. Putain, puis derrière ça revient. Allez, je vais reprendre du temps, je pense que c'est au freinage. Une seconde 3. Même
Même pas. Ah, il est parti là. Allez, 8e pour l'instant. Là, c'est chaud. Difficile de tenir. Alors derrière ça revient à 1 seconde 3, devant ça à 1 seconde 7. Bon, si je termine là, je m'en sors bien. Dernier tour, 2 secondes 1 devant et 1 seconde 3 derrière. Je pense que ça va rester comme ça si je fais pas de bêtises. On va prendre du risque maintenant.
Doucement, doucement. Complètement cramé les pneus. En 8e place. C'est pas mauvais. Allez, on va se parquer là. Voilà. Bon, allez, c'est mieux passé que sur la première manche. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée, bonne soirée. À plus. Salut.